On commence cet épisode avec cette belle musique qu'à chaque fois je coupe parce qu'elle est trop forte. Quand je parle, on n'entend pas ma douce voix. Mais bon, cette fois-ci, j'ai décidé de la laisser. En même temps, plus le temps. Donc oui, bienvenue sur la chaîne Cospio Studio. Je suis Cospio et aujourd'hui, on se retrouve sur l'épisode 7 de notre série sur le jeu Pine. Alors, pour un petit rappel, l'épisode précédent, nous avons trouvé un registre. Je sais plus trop si c'est ça, si registre ou si c'est autre chose. Donc oui, il y a un document que l'on peut donner à un village afin que celui-ci évolue. Enfin, parce que j'ai essayé quelque peu de donner des ressources, de la nourriture à des villages, mais j'ai pas vu d'amélioration particulière. Ils stagnent toujours à un niveau assez faible. La population, elle est à un tiers et c'est tout. Et donc je pense que ce nouvel outil va nous permettre d'enfin faire évoluer un village et enfin obtenir des crafts plus intéressants. Quoique pour l'instant, on a déjà obtenu quelques-uns qui étaient plutôt pas mal. Donc sans plus attendre, on lance le jeu. Sois prudent lors du pillage car quelqu'un d'autre pourrait également viser le même butin. Le pillage. Jamais fait de pillage. Les humains d'Albamar ont une anatomie unique, parfaitement adaptée à la vie sur la falaise instable. C'est vrai qu'on a des pieds assez particuliers, je trouve. You peut se promener tranquillement, mais il peut aussi être attaqué tout en regardant la carte. Surveille alors ton environnement. Oui, quand on met la carte, ça met pas le jeu en pause. On a déjà lu. Et nous voilà en jeu. Alors, l'objectif. Bouche à oreille, influence un plan. Quoi, échange un plan d'efficacité dans un village ami pour influencer leur effort en expansion. Donc ça, c'est ce dont je parlais dans l'intro. La veillée humaine, trouve un moyen d'entrer dans l'une des voûtes. Oui, on en était là. Donc, oh, tiens, je vais prendre ça au passage. Désolé, mon instinct de ramasseur me dicte. De faire ça. Où sommes-nous? Ah bah on n'est pas loin de. Ah voilà, à chaque fois je fais pause par réflexe, mais en fait il faut attendre un petit peu pour que notre ami lâche la map, et là on peut la refermer. Ça c'est quoi? Ça c'est les renards. Donc je dois pas être loin de la ville des renards, là où justement je voulais mettre le. Voilà. Nickel. Là où je voulais mettre ce. Registre et obtenir leur évolution. Alors soit je le donne au marchand, il me semble, soit je la mets carrément dans une boîte. Et donc ce sera la boîte, je pense. Maintenant que je l'ai vérifié. Alors, nous voici à la boîte. Pour les renards. Et il faut que je leur donne le registre. Ah oui, le registre, je pense qu'il faut aussi que je le crafte. Oui, c'est ça. Il faut un brevet de chaque pour en faire un. Ah, il faut deux brevets de ramasseur, un brevet de gardien, un brevet de marchand. Bon, on pourra en faire qu'un pour l'instant, parce que des gardiens, j'ai un peu eu du mal à en trouver. Hop. Un plan élaboré pour une utilisation plus efficace des matériaux. Les villages en possession de cette technologie produiront une armure plus solide et s'amélioreront beaucoup plus rapidement. L'effet dure 5 minutes. Hein? Ça dure que 5 minutes, c'est-à-dire. Je leur donne et ils seront super balèzes pendant 5 minutes, après ils redeviennent nuls. Bon, bah c'est pas comme si on avait le choix. Nouvelle conception de l'île. Tu as introduit un plan d'efficacité sur Albamar. Cette connaissance et ses variantes commenceront à circuler sur l'île à travers des groupes de marchands. Les villages soumis à cette effets produiront une armure plus robuste et chercheront à étendre les territoires de leur village plus rapidement et à moindre coût. Ah oui, ça déclenche une réaction en chaîne. Les premiers à en profiter, c'est eux, mais après ils vont le transmettre à d'autres. Ah oui, donc ça va vraiment perturber l'équilibre de l'île. Je vous avais dit que ces petits Iwoks qui sont. Bah, ils ont l'air gentils comme ça, mais. C'est des manipulateurs. Ils disent qu'ils font qu'observer, mais c'est pas vrai. Après c'est Sud qui a dit qu'il observait, ça se peut. Ouest, lui, c'est plus un faux menteur. Ou un vrai menteur, je sais pas trop. Donc on va parler avec le chef, voir s'il nous est reconnaissant de ce cadeau. Malgré les très rares raisons de faire confiance à un humain, nous avons reçu ton plan d'efficacité. Eh, qu'est-ce que tu crois? Le mec, c'est bling bling quoi. Oh, et oh là là, c'est génial. Ouf.
Nous constatons immédiatement des améliorations dans nos techniques de protection et de construction. Je te tiendrai au courant de nos progrès. Viens me voir quand nous serons prêts à nous mettre au niveau supérieur. Ah bah oui, bah volontiers. Genre, il vous faut encore des matériaux. Oh, et des aliments. Bon, bon, comment on peut faire? Alors, j'ai plusieurs hypothèses. Soit je leur donne tout en don. Mais finalement, c'est peut-être pas non plus une solution. Soit je le vends aux marchands. Le but étant de récupérer un maximum de trucs, parce que je pense que quand je donne aux marchands, ils gagnent. Dans tous les cas, ils sont déjà à zéro. Donc si j'échange tout ce que j'ai avec ce que le marchand a, et qu'après je donne ce que le marchand m'a donné, bah il y a moyen que ça soit un gain. On va tester ça. Pas de feuilleté. Alors, si j'essaye de prendre tout ce que t'as... Ça, c'est pas des matériaux, je crois. De toute façon, même, je peux pas vous le donner, ça vous aimez pas. Les pierres. Le bois. Alors, par contre, ça va coûter très 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 cher, tout ça. Bon, bah testons ça. Je sais pas si je suis gagnant dans l'histoire. Eh, matériaux, ça a fonctionné. Parfait. Maintenant... Si je donne les aliments que j'ai achetés... Parce que là, je pense que si j'échange les aliments contre des matériaux, ça va pas marcher. Je suis pas certain, mais... J'ai peur que ça ne fonctionne pas. Alors que si je donne... C'est plus logique quand même. Ça. Est-ce que ça suffit? Non! Genre... Elle a pas validé. Pourquoi il veut pas que je donne ça? Bah... Ça fait pas partie des trucs qu'ils aiment pas pourtant. J'ai pas compris là, franchement là... Je suis dubitatif. Et la viande? Ah ça, la viande ils veulent bien. Ah bah ouais, d'accord. Ah bah par contre, aide le village à s'agrandir, là j'ai donné de la nourriture, que pouic hein. Bon, ce qu'on peut tenter de faire... On apprend de nos erreurs. Hein. Ça serait de donner la nourriture à cet homme. Et récupérer des matériaux. Hein. De construction, bah je peux récupérer la viande. Ah il se moque de moi. Hein. Il se moque de moi. Je teste des trucs. Hein. Pas certain de ce que je fais, mais... Je dirais que tu peux pas mettre tous ces objets dans ta poche. Ah bah oui. Je suis full. Que j'échange ça contre autre chose. Bah, genre le foin doux peut-être. Non, ça rapporte pas assez. Cristaux ? Ça a l'air relativement cher les cristaux ? Non. C'est si cher que ça de la ciboulette ? Donc. M'y attendez. Récupérer des cordes à l'arrière parce que ça sert toujours. Boulette, c'est complètement débile. Et là, ah oui, bah voilà, en faisant ça, j'ai baissé leur taux de matériaux parce que j'aurais piqué des matériaux. D'accord. Ouais. Si je récupérais tout ça. En vous rendant des matériaux. On est sur un truc assez conceptuel, hein. Je vous le cache pas. J'avais piqué quoi? T'avais du bois aussi. Ah, je sais, je vais crafter d'abord des cordes. Pour moins de place et j'ai un meilleur pouvoir d'achat avec, il me semble. Alors, par exemple, si je fais ça. C'est ça, en fait. Comme j'ai rendu la nourriture que j'avais achetée, il y aura une sorte de moins-value. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça a pas marché. Il y a à peu près, quand j'ai fait le don de viande, ça a juste rendu ce que j'avais pris, donc...
La ville n'a pas été gagnante du tout. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, bah, c'est leur donner des cordes, je pense. Matériaux, histoire de... Le problème, c'est qu'en faisant ça, je me fais pas très copain avec les piafs. Là, je suis profane, j'aurais bien voulu quand même garder deux alliés, c'est quand même plus confortable. On voit que les... Ouais, non. Je vais leur donner... deux cordes. Ah, bon, bah, il en faut un peu plus. Voilà. Maintenant, en nourriture, bah, tout ce que j'ai. Les piafs, bon, les piafs, ils vont pas être copains. Hein. Ça, c'est sûr et certain, ils vont pas aimer. Les œufs. Ça, ils aiment bien les œufs. Évidemment, ça, c'est leur petit péché mignon. Est-ce que je peux joindre ça avec? Ça aussi, ça. Est-ce que j'ai d'autres qui se mangent? Rien. Tada! On a rempli les objectifs pour participer à l'expansion du village. Et à l'extension. Bon, c'est un peu la même notion, mais bon. Petite queue de poisson. Voilà! Vous êtes quoi évoluer? Nous l'avons fait! Nous devrions en avoir assez pour améliorer notre village maintenant. Comme tu as dit, nous voulions t'attendre pour voir les résultats. Ah, mais volontiers. Je ne t'estime pas capable de faire grand-chose, mais tu nous as aidés à atteindre le sommet du monde. Ah, lui aussi, il fait ce bruit, d'accord. Nous allons abaisser les murs en tuant la voûte. Mais reste silencieux à ce sujet. Et fais attention, pas touche. Mais tu auras toujours le problème des débris. Je ferai attention, merci. Les débris. Oula. Ah oui. Ah ouais, c'est instantané, dis donc. Bon. Retrouve Ouest au tableau des affinités du village. Trouve un moyen d'entrer dans l'une des voûtes. D'accord. Et ça dit ça. Ah, la population a augmenté. On est quasiment un peu plus que la moitié. C'est bien. Et en bas. Alors, je sais pas si je vais pas me faire mal en faisant ça. Non, ça va. Oui, ça s'est ouvert. Parce qu'il y avait un mur avant autour. Et il n'y a plus. Par contre, il y a, oui, cette barrière qui gêne. C'est que ça clignote. La magie démoniaque. C'est quoi ça? Ah ouais, ils dorment dans des jolis paniers. Donc normalement, notre ami... Ah bah il est là. Donc oui, notre ami Liwa qui est ici. Allons lui parler. Ah, merveilleux, ça a fonctionné. T'en doutais? Maintenant, on va explorer la voûte, quel que soit son état. Tiens, cela devrait t'aider à nettoyer ces débris. Je suis sûr que nous nous reverrons. Ouais, j'ai une bombe. Nouvelle conception de l'île. Des événements récents ont développé une tendance sur Albmar. Les autres villages essaieront également de se développer et à s'améliorer. Bizarre cette traduction. Les villages rénovés ont une population plus nombreuse et enverront des gardes avec leurs commerçants et leurs ramasseurs. Ils construiront une meilleure armure et leurs marchands auront des objets plus intéressants à proposer. Il est vrai que je suis pas allé voir le marchand. Avant de faire exploser ce truc là, on va voir ce qu'il y a. Ah oh! Ça je l'ai déjà ça non? Bouclier de barrel, idée et masque de barrel. J'ai l'impression que je les avais déjà ceux-là. T'es j'ai bien mâché un truc. Ah non, gants et bottes, d'accord. Et là j'ai... Ok, par contre je viens de voir aussi que j'avais eu le craft, il me semble, pour... Ah. Pour le bail explosif. Plan défectueux, un faux plan qui introduit une mauvaise conception d'armure et de structure, obligeant les villages à avoir besoin de beaucoup plus de ressources pour améliorer et construire une... Ah, c'est méchant ça. Ça c'est celui que j'avais, ouais. Hop, ça c'est quoi ça? Fusée éclairante de Fexel. Un moyen qui me met en place un groupe d'éclaireurs de Fexel. Doit être déployé à côté d'un village qui n'appartient pas au Fexel. Ah oui, c'est pour lancer une conquête, ça. Un kit qui te téléporte vers la maison de Tamba ou vers le village d'une espèce alliée. Je sais pas qui c'est Tamba. Ok, et ça coûte combien ça? Ça doit coûter cher, non? Alors, imaginons, je mets du fer. Ah oui. Ah, les plans, ils sont pas donnés. Ils sont pas donnés du tout. Bon, la corde, normalement, c'est un matériau qui est plutôt... Ouais, voilà.
te demandes encore un truc en plus, j'ai l'impression. Après, les kits de voyage, c'est bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'on passe à côté de tout en se téléportant? Je suis pas fan. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Pas du fer. Allez. Rééquipe ta balance, j'y réfléchirai. Oh, il y aura un pixel d'écart. Hein. En ta faveur, ajouter quelque chose d'autre et je pourrais constater un monde. Mais sérieux, il faut vraiment être au pixel près? Oh. Voilà, intéressant, je n'ai jamais rien vu de pareil ici. Donc on a des nouveaux plans. Des grands cônes et du verre poli. Des grands cônes et du verre poli, d'accord. Bon. On aura quasiment tout le stuff. Oh là, par contre, ça ajoute des trucs. Aïe, c'est le bouclier. J'avais pas fait gaffe que c'était un bouclier. Ouais, niveau 3. Alors que le bouclier que j'ai, il me semble, c'est un niveau basique. Hein. Niveau 1, ouais, voilà. Ah, ça serait un truc à faire en priorité. Par contre, il est moche, j'ai l'impression, visuellement. On verra bien. Mais... Un bouclier à base de bois apparemment conçu pour se protéger contre les coups lourds des armes chimiques. Ah, ça c'est contre les bestioles là, qui crachent. Des grands cônes et des pierres de dulle. Ok, bon, on le fait juste après. D'abord, on va les faire éclater cette porte qui mène aux voûtes. Ce n'était certes pas discret, mais ça semble efficace. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Allons-y. On va visiter la voûte. Ce qui est bien, c'est que l'explosion a fait exploser le barrage en métal. Mais le truc en bois autour, nous stresse. La montagne creuse. Voilà, mais là on est parti dans un truc qui va me prendre la journée, j'ai l'impression. Là. Donc oui, c'est un donjon. Ni plus ni moins qu'un donjon. Alors vous allez m'en vouloir, mais j'ai pas trop envie de le faire tout de suite. J'aimerais bien d'abord crafter l'armure. Donc ce que je propose, c'est d'aller récolter les ingrédients pour l'armure et de revenir ici. Allez, c'est parti. Je viens d'arriver à une colonie de piaf qui visiblement habite là-haut, dans les dunes. Je me suis dit, je vais peut-être leur offrir le deuxième plan d'efficacité. Qu'est-ce que tu donnes de beau, toi? Fossile de plumes d'idées. une âme légère et tranchante ressemblant au cerf de certains oiseaux. Ok. Ça, arc de plumes d'idées. Oh, un nouvel arc. Ça, c'est intéressant, ça. C'est très intéressant. Il émane une sorte d'onde sur lui, je sais pas si vous avez vu. C'est quoi ce mec, c'est un magicien? Si t'as des pommes de pin, je suis preneur. Non, y'a pas. Ah, ça par contre, je crois que j'en ai besoin pour faire des... On va voir déjà ce que je peux faire avec ce que j'ai sur moi. Ça, je peux te le donner, je l'utilise pas. Ça pareil, j'utilise pas encore. Super. Alors, en veux-tu, en voilà. Ça fait de la place, c'est des stacks. L'argile, j'en ai besoin, donc je vais l'échanger contre des trucs que je n'utilise pas. Bon, le tissu, j'en ai plein. On est pas mal là, j'ai l'impression. Mais oui, marché chonchu. Ah, on a un nouveau craft. Je sais pas si ça. Oui, ça a évolué directement parce qu'ils ont double la flamme. Donc c'est bon, le fait de leur avoir donné le plan, ça a fait évoluer. C'est une bonne chose. Donc j'ai directement accès aux crafts les plus puissants. Allure. Ah oui, il va falloir trouver des perles. Faire tendre, je vais en donner, ça va, j'en ai encore assez. Et ça, faire tendre aussi. Ah oui, donc les deux ensemble, j'aurais besoin de... Ah bah juste 4, c'est bon. J'aimerais bien faire l'arc. Bête sable et plumes de machin chouette. Est-ce que tu les as pas, les ingrédients, par hasard?
Red Sap, ça doit être dans votre coin, je pense. On est dans un désert, il doit y avoir moyen de trouver ça. Justement, voilà du grès de sable. Parfait. Il y a du lézard par contre. Bon, je viens de trouver donc du grès, des sables. Ça m'a permis de faire deux vers polis. Des gens qui m'aiment pas. Et grâce à ces vers polis, je peux me crafter deux éléments d'armure. Je pense pas que je puisse faire les deux. Mais je peux faire qu'un sur deux. Soit les gants, soit les bottes. Faire les gants. Allez hop. Par contre, si je fais ça, ça va prendre aussi sur les éléments que j'ai. Ouais, mais j'en ai pas besoin beaucoup. Ça. Pour l'arc aussi. Bon, une bonne défense, c'est important. Là, à la place de ça, ça va remplacer les protège-poignées, je pense. Oui, c'est ça. Je passe de 2 à 3. C'est intéressant. Donc, il me faut maintenant. Corps du verre poli. Ça, je vais faire tout de suite. Tac. Encore du grès des sables. C'est ça. Et je pourrais faire encore un verre poli. Il faut encore que je trouve des pommes de pin. Et c'est reparti. De l'argile sèche. Non, ça c'est pierre d'huile. J'ai trouvé de l'argile. Ouh, j'ai trouvé de l'argile sèche ici. Donc ça c'est intéressant, c'est un des ingrédients dont j'ai besoin. Oh, c'est quoi ça? Bonjour, vous êtes gentil? Ah, ils sont chromimi. C'est une sorte de tigre dans le sable avec une queue de. Oh. Ah, ils sont chelous quand même en fait. Ah, c'est... Ils ont une tête de chien, des tigres de dents de sabre et une queue de castor. De la gelée de Wattletos. Ah, vous êtes ça, c'est eux, c'est ces bestioles là. J'ai trouvé un village de renards et j'ai pu acheter des pommes de pin à ce brave marchand. Et donc j'ai assez pour crafter les bottes. Hop, c'est chose faite. Comme ça me permet de voir aussi ce qui va me manquer pour la suite. Donc toujours des pommes de pin. Du verre poli, je peux en faire, tiens, ça tombe bien. Tac, j'ai trouvé pas mal d'ingrédients. Donc toujours des pommes de pin. Donc là j'ai trouvé un petit truc. Une sorte de ruine. Je sais pas si ça va mener à quelque chose, mais il y a un plan là-haut. Quand on actionne ce tourniquet, bah j'ai pu accéder à cette passerelle. Et je pense que là il y a moyen de... Hop, faire tourner celle-ci. Hop. Là, ça reste actif. Ah, puis il me faut un baril. Je crois qu'il m'en reste un. Oui! Merveilleux. Ah, ça s'arrête plus de tourner, quoi. Ah. Et on a accès au plan. Mais dis donc, merveilleux. Infusion de force, c'est une blague. J'ai déjà. Ah non, c'est infusion de puissance. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Infusion de force, un mélange qui rend moins vulnérable. Ok. C'est vrai que cette potion, je l'ai jamais utilisée. Je l'avais gardée pour les. Eh. It's a trap. On tourne ça. Hop, ça remet le truc en place. L'active. Donc voilà, on a trouvé un nouveau plan, c'est intéressant. Oui, j'ai dégommé quelques poulets pour récupérer des plumes pour l'arc. Je confesse. Vois-je loin? Ne serait-ce point? Mais oui! Du grès de sable! Je m'en réjouis car... Si j'ai bien... Oui! Je peux faire le... L'arc à plumes, l'arc de plumes. Pareil. Mais compris. Donc normalement, il est plus puissant que mon arc. Hein. Mon arc est niveau 2 et là, celui-ci est niveau 3. Équiper des bottes, tiens. Tchac. Barrel. Je sais pas s'ils vont tout mélanger comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas mélanger, te retrier parce que j'ai peur de. Ouais. Enfin, tant pis. Regardons cet arc. Pas l'arc, ça. Pas mal. Faut trouver une victime pour tester. Je viens de trouver deux pommes de pin. Nickel. On manque encore un petit peu, je crois, pour faire le dernier craft. Mais en tout cas, déjà, je peux en faire un. Et il me semble que c'est le bouclier. Oui. Je vais faire l'autre aussi, mais j'aurais pas assez pour les deux. Tac, le bouclier. Et là, il me manquait encore deux pommes de pin. Et on pourra faire le masque. Et on aura le stuff complet, il me semble. J'ai trouvé un autre endroit.
On dirait qu'il y a un plan là-haut, comment on fait pour y accéder? Ah. C'est juste à côté du truc mûche là. Ah bah il y a une herbe en bas, tiens, j'avais pas vu. Hop, on va prendre ça tout de suite, ça c'est fait. Non, 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 non. Ah, le piège. Oh. Allez, tu peux remonter, bah oui. On a déjà vu pire. Je pense que. On va peut-être pas utiliser trop de flèches parce que bon. Hein. Lance-pierre, non mais. Bah, comptez d'abord le temps que ça met, hein, parce que à mon avis c'est chronométré. Oh non. J'ai hésité. Ah bah. C'est chronométré, mais on a du temps. Largement le temps. Hop. Et on a obtenu le plan de mélange vigoureux. Bah voilà. Je vais demander de plus. Il est efficace quand on tire sur la cible, je pense. Quand on loupe, ça marche moins bien. Voilà. En fait, trois flèches et des flingues, le truc. Hein. Des pommes de pin, oui! Deux! Pile le compte qu'il me faut! Alors. Je peux crafter le dernier élément. Tada! Là. Normalement, si je le mets. J'ai le stuff complet. Hauteur de saut plus plus, des esquives plus plus, dommages à distance plus plus. Et je ressemble à. Bah, je sais pas. Mineur. Ah, c'est pas mal. Au moins, comme ça, j'ai plus de défense normalement. Je sais pas si j'ai un bonus de défense avec, mais je sens pas avoir vu. Bon, j'ai une thèse d'esquive, c'est-à-dire que je peux faire. Pas mal. Bon, bah cette petite promenade a rapporté ses fruits malgré tout. Donc nous voilà fin prêts pour. Ah, des pierres de dulles, c'est intéressant de faire des flèches. Nickel. Donc nous voilà fin prêts pour. Ah, bah des méchants. Pour aller explorer la mine. Et donc c'est sur ces belles paroles que je vous dis au prochain épisode et je vous invite à mettre un pouce bleu, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit bah, à une prochaine. Allez, à toutes!